Eclipse! Elle s'accroche comme une larve. Aujourd'hui, après cette petite bataille, c'est un jour assez spécial puisque on va lâcher les phobes. Donc il y en a trois qui sautent. Il y a le petit angora, là, vous voyez. Il y a le poil rat et celle qui n'a pas de tache sur les fesses qui sautent. Mais du coup hier comme j'avais laissé un petit trou, ils sont tous sortis et du coup bref, hier ils sont tous sortis. Vous allez voir aujourd'hui c'est drôle, surtout qu'il y a mis la pluie, ils vont être dégueulasses, ça va être, c'est trop mignon. Allez les monstres. Juste après avoir tourné la vidéo, on m'a dit que finalement celui que je pensais qu'il était angora était tête de loup, c'est juste qu'il est plus poilu que les autres. Ici on a le petit angora qui est une vraie boule à bêtises. Après, donc là ça c'est celle qui a pas de tache sur les fesses, qui est tête de lion, ça c'est une fille, elle est super belle, elle est bien poilue. Là on a celle qui a une tache sur les fesses qui est un petit peu moins poilue mais qui est très jolie aussi. Et elle c'est une... elle est vraiment cool comme... enfin c'est une petite fille, elle est plus cool que les autres. La petite femelle tête de lion japonaise qui est très belle aussi. Ici on a le petit poil rat. C'est que des... Et le petit mâle japonais. Qui mange les petits bouts de lucerne. Vraiment celui-là il me fait trop rire, il est tout poilu. Et voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu de les avoir vus évoluer un petit peu et faire plein de bêtises. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est Zona qui vient tirer du bas à la fin. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et à vous abonner.